quelque chose. Moi, je tiens particulièrement à féliciter la jeune chambre économique de Dijon et Stéphanie pour sa direction de commission. Lilian, évidemment, vous êtes avec l'investisseur de Covopil. Il est retourné, d'accord. Lilian, également, pour le travail qu'il mène. J'ai envie simplement de vous encourager à peut-être propager cette graine dans d'autres jeunes chambres économiques locales de Bourgogne, parce que l'idée est intéressante. Moi, j'en retiendrai principalement que j'ai reçu un mail me disant « Tiens, il faudrait que tu viennes à Dijon », que j'ai répondu par mail, que j'ai dû t'envoyer un texto, que j'ai communiqué sur Facebook et que je ne regarderai plus jamais mon smartphone comme avant. Mais soit dit au passage, mon expérience s'est traduite au travers deux ateliers vie publique, démocratie, où effectivement, Google est certes mon ami, mais peut-être un peu moins. Et le second concernant les données numériques personnelles, où on voit bien qu'il y a une multitude d'actions, notamment en matière de communication auprès d'une population peut-être moins avertie. Et je pense que dans les actions jeunes chambres économiques qui peuvent être menées tout au long de la Bourgogne, peut-être tout au long de la jeune chambre économique française, c'est cette formation à comment mieux se protéger, comment mieux agir, comment mieux travailler est peut-être tout à fait intéressante. Donc je continue de t'encourager à essaimer tout ça. Pas seulement à Dijon, parce que surtout en Bourgogne et en Vie, je sors de Dijon. Et puis c'était moi qui ai la charge de dire on va voir un conseil. Alors oui, comme tout projet, on a été aussi entouré de partenaires, donc le Grand Dijon pour les locaux, et puis des partenaires qui nous ont soutenus aussi pour vous offrir un petit apéro accompagné de rosé et une dégustation de vin. Il devrait arriver incessamment sous peu. Voilà. Donc, on... Alors, le groupe Casino et une maison de vin à Nuit Saint-Georges. On attend la personne, elle arrive pour vous faire déguster les vins. Voilà. Donc, tout ça dans le cadre, je le rappelle pour le petit mot de conclusion, dans le cadre du club partenaire de la Jeune Chambre économique de Dijon. Club partenaire qui a un an et donc qui accueille régulièrement des nouveaux membres. Sur un partage de valeurs, qu'elles soient humanistes ou citoyennes. Donc j'espère, Laurence Nika est là, on travaille dur pour que Diviac et Olis rejoignent les faits. Les majeurs de grève, je suis là. Voilà, si à titre professionnel, vous êtes intéressé pour rejoindre le club partenaire de la Jeune Chambre économique de Dijon, vous êtes les bienvenus. Le club partenaire, il n'y a pas de limite d'âge.